Je m'appelle Cassandra O'Donnell, j'ai écrit un roman qui s'appelle Mal en fer pour les 8-11 ans, ce que j'appelle... C'est une initiation à la fantaisie. À la base, je ne suis pas du tout écrivain jeunesse. C'est ma rencontre avec des élèves de CM1 et CM2, lorsque j'étais marraine d'un salon fantastique, qui m'a donné envie d'écrire pour eux, parce que les enfants ne trouvaient pas le genre d'histoire qu'ils avaient envie de lire, en fait. C'est-à-dire que Harry Potter était un peu difficile pour eux, et il y avait beaucoup de choses. Alors quand je me suis retrouvée avec eux dans les classes, et je ne pouvais pas leur parler de ce que moi j'écrivais en tant qu'adulte, qui est beaucoup plus violent, qui est une sorcière sociopathe, etc., Je leur expliquais comment écrire une histoire et je leur dis, mais quelle serait pour vous l'histoire idéale? Et ils m'ont dit, bah, c'est une histoire fantastique. Donc ils ont choisi le genre. C'est-à-dire, s'ils avaient voulu un autre genre, j'aurais écrit un autre genre. Ils ont choisi les personnages, l'univers. Mais ils m'ont dit, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse tous le comprendre. Parce que Harry Potter, c'est trop difficile pour beaucoup d'entre eux. En CM1, ils avaient du mal à lire Harry Potter. Parce que tout ce qui arrivait comme série derrière les Tara Duncan, etc., c'était trop difficile à lire pour eux. Et qu'eux, ils n'avaient pas vraiment de lecture adaptée à leur niveau réel de lecture à cet âge, en fantasy et en fantastique. Donc je me suis dit, bon, allez, on va faire ça comme ça. Je me suis renseignée auprès de l'Éducation nationale. J'ai une de mes amies qui est inspectrice à l'Éducation nationale qui m'a beaucoup aidée à comprendre pourquoi les enfants avaient autant de mal à appréhender cette lecture. Et puis j'ai enlevé toutes les difficultés, l'implicite, etc. Et je leur ai écrit une histoire facile à lire, mais attention, avec un vocabulaire soutenu, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils peuvent retrouver le sens dans les phrases, mais facile à lire, c'est-à-dire qu'ils puissent tous être à même de comprendre dès même l'âge de 8 ans. Avec une fluidité. Le but, c'était de leur donner envie de lire. La lecture acte de plaisir. Donc, on s'est beaucoup amusé. Et les enfants, je crois qu'ils sont, ils sont très contents. Et on continue à... En fait, on est parti dans une grande aventure. On est au premier tome. Il y a le deuxième tome. Ils m'ont déjà donné leurs instructions. C'est eux qui décident des personnages, de l'univers, de la forêt, des monstres, de tout. Et donc, bon, c'est plutôt adapté maintenant parce qu'on travaille avec 75 enfants plus deux autres écoles. Donc je pense que si la majorité veut telle ou telle chose, c'est que fondamentalement, je ne peux pas me tromper. Donc je suis leurs instructions et je leur écris l'histoire dont ils ont envie. Là, c'est une trilogie et on va finir par le tome 3. Gabriel, qui a 12 ans, qui est un petit garçon très mature, qui n'a pas peur du regard des autres, qui sait assumer ses choix et ses décisions et qui est en même temps un enfant assez calme. Et puis Zoé, une petite fille très timide, très renfermée, qui est rejetée par les autres. Donc évidemment, on aborde un peu la difficulté du harcèlement, de l'adaptation à l'école à travers Zoé parce qu'elle est différente, qu'elle a des pouvoirs magiques et que les autres enfants, comme elle n'est pas comme eux, eh bien la rejettent. Et à côté de ça, il y a les amis de Gabriel qui sont adorables. Morgane, une petite fille garçon manqué. Il y a Thomas qui ne pense qu'à manger, qui est froussard comme pas deux. Voilà. Et Ezekiel, le bon copain, celui qui est toujours d'accord. J'avais envie qu'on retrouve un petit peu, vous savez, l'ambiance du Club des Cinq à l'époque, cette espèce de groupe d'enfants où chaque enfant peut s'identifier à l'un des personnages plutôt qu'aux autres. Donc voilà, ils se sont retrouvés dans cette forêt. Il y a une forêt maléfique qui arrive sur la ville, qui mange et qui dévore tout sur son passage. Les parents de Zoé et de Gabriel sont partis chercher l'aide d'un sorcier et ne sont pas revenus. Les enfants sont morts d'inquiétude, mais ils continuent à aller à l'école normalement, à faire comme si rien n'avait changé chez eux parce que la magie est interdite en terre des hommes et qu'ils ne veulent pas que leurs parents aient des ennuis si on leur dit qu'ils sont partis chercher l'aide du sorcier. Donc les enfants continuent à aller à l'école le matin, à se débrouiller tout seuls, ils assument tout dans la maison. Seulement voilà, il va se passer des événements terribles à l'école. Et là, ils vont devoir mener une enquête, une disparition, des monstres. Voilà, c'est plein d'aventures, plein de tendresse aussi et plein de passion. C'est L'île au trésor. Pour moi, je crois que c'est voilà, le premier livre qui m'a vraiment marqué, c'est L'île au trésor. Mmh.